Ah, c'est drôle. Ah, ça fait des chatouilles. Oui. Alors là, c'est le moment de vérité maintenant. Hello. J'espère que vous allez tous très bien. Ce début de vidéo. Ah, j'ai la voix bizarre aujourd'hui. Du coup, désolée. J'ai l'impression que j'arrive pas à parler. Un, deux. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le voyez, à côté de moi, j'ai des petits paquets. Je voulais absolument faire une vidéo sur les produits de beauté sur AliExpress. Alors, si vous ne le savez pas, en fait, sur AliExpress, vous avez plein d'accessoires, d'appareils, plein de produits de beauté. Moi, j'adore parcourir, en fait, la catégorie. Il y a tellement de choses dans ma wishlist. Et aujourd'hui, je vais en tester 5. C'est les 5 parmi les mieux notés sur AliExpress et les plus vendus. En plus, en ce moment, sur AliExpress, comme c'est l'approche de Noël, il y a une campagne en fait de Noël. Il y a toute une sélection d'objets pour les cadeaux, pour Noël. Du coup, ça peut être des idées de cadeaux super sympas. Vous allez trop me prendre pour une folle, mais à chaque fois on se fout de ma gueule quand je dis ça. Mais en fait, j'ai une dent de sagesse, elle pousse depuis au moins 6 ans. Je raconte ma vie. Et je sais pas, elle pousse, hein. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et ben, ça me gêne. Des fois, ça me gêne dans les oreilles, ça me gêne, ça me fait des maux de tête et tout. Mais je suis allée chez le dentiste et il m'a dit qu'il y a rien. Il faut que je les fasse enlever, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'arrive pas, en fait. Le dentiste, il me dit, on fait un rendez-vous, il n'y a pas de souci, ça part en 10 minutes, c'est parti, voilà. Mais j'ai peur, j'ai peur. Mais là, depuis quelques jours, je sais pas, ça me gêne, je la sens, la pousser, ça me stresse. Dites-moi que je suis pas la seule. Mais en tout cas, j'espère que ça va pas vous déranger, ma voix, là. Ça me stresse. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, parce qu'en fait, il y a des promos sur les sélections des produits. Et en plus, j'ai 2 codes promo à vous donner. Qui s'affiche ici. En fait, ça vous enlève quelques euros sur des produits. D'ailleurs, je voulais me reprendre un truc. C'est pour moi, mais ça peut être un super bon cadeau de Noël d'ailleurs. C'est des collants épais, mais qui ont en fait on a l'impression que c'est des collants transparents, mais non, c'est épais. Et ça, pour l'hiver, c'est trop bien. Et je pense que je vais m'en recommander un. Donc c'est parti. Alors, je vais tester ça. Alors, ça fait un petit moment que je vois sur AliExpress des appareils en fait pour masser. Alors, c'est vrai que moi, de temps en temps, j'ai mal au dos. Et moi, ça, c'est quand je suis crispée ou quand je stresse un peu, des fois, j'ai mal au dos. Je voulais trop tester un produit pour masser. Ah ouais, ça vient carrément dans une petite valise. Alors ça, justement, ça peut être un bon cadeau de Noël, je trouve. Alors, j'avoue, ouais, de loin, l'appareil, on se demande ce que c'est. C'est un peu confus. Ah, attends, moment d'ASMR. Tiens, là je vois la prise, ça me fait penser à un truc. Si vous commandez des appareils sur AliExpress, faites bien attention de demander une prise européenne, EU. Je vais mettre cet embout-là. Ah, on voit ici le pourcentage de la batterie. Donc, nous avons un petit bouton. Ah, oui. Ah, d'accord, ça commence. Un peu trop, 4. Ah, ça fait du bien. Attends, je vais essayer dans le dos. En fait, je pensais pas, mais c'est assez pratique à utiliser tout seul finalement. Ah ouais! Ah ouais, putain. Putain! Ah, ça détend. Ah ouais, dans les jambes aussi. Ah ouais, quand les jambes elles sont lourdes. Ah ouais, c'est pas mal aussi pour les jambes. Ah ouais! Ah ouais, je peux faire ça pendant des heures, je crois. Ok, donc il faut laisser appuyer pour arrêter. Super sympa, franchement. J'adore le bruit. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Je sais pas, c'est plus précis en fait. C'est moins évident pour le dos. Alors celui-là, pour les jambes et pour les bras, c'est bien. Vous pensez qu'on peut le faire sur les mains? Parce que les massages des mains, ça détend trop. Ça le fait quand même, hein, sur les mains. Si vous avez un partenaire qui ne sait pas faire des massages... Unique airflow vents for fast drying and better coverage. Cet accent, j'en peux plus. J'adore, en fait c'est une de mes passions. Une de mes passions, c'est d'essayer de faire des accents américains, genre super bien prononcés. J'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Lightweight design. Alors du coup, là, c'est une brosse. Bah oui, du coup, je vous lis tout ça depuis tout à l'heure. Mais en fait, j'ai pris une brosse comme ça, soufflante. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, j'ai les cheveux super fins. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'ai... Enfin, moins, juste... Plus, c'est pas plus, c'est moins. J'ai moins de masse de cheveux, j'ai l'impression.
Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont plats, mes cheveux. Alors, je veux tester cette brosse pour améliorer le volume. Oula. Mais aussi, ça permet de sécher les cheveux. Alors, si vous voulez un effet très lissant, c'est aussi idéal pour ça. Donc, je peux pas mettre ma lampe, ma ring light, parce qu'évidemment, du coup, j'ai branché ma brosse. Du coup, ça va peut-être faire un peu jaunâtre, l'image, hein, mais bon. Aïe, 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 aïe. Mon cuir chevelu, je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais il a tendance à être très sec, mon cuir chevelu, et ça me démange un peu. Mais ça va beaucoup mieux depuis que j'utilise des shampoings adaptés, en fait. Au premier passage, je vois une différence, vous voyez? Là, ça fait plat de ouf, et là, il y a une petite bosse. Ça fait pas super plat de fou, du coup. Ah, c'est trop bien, c'est ce que je voulais! Ça a tendance à graisser ici, sur le devant, alors qu'ils sont propres ici. Alors ça a tendance à me faire chier. Tout simplement qu'ils sont plats, en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un petit détail quoi. Ça, c'est pas non plus flagrant comme différence, mais on voit quand même que c'est pas aussi plat qu'avant. Ah, c'est trop bien. Je pense que ça sera encore mieux avec des cheveux humides, et c'est vrai que là je teste sur mes cheveux qui sont déjà secs du coup. Mais je pense que si je sèche mes cheveux vers le haut comme ça, ça peut rendre encore mieux. C'est bien aussi pour, vous savez, si vous avez une frange comment ça s'appelle, de la side fringe, là, ça justement, vous pouvez attraper les cheveux comme ça, et après, hop, ça fait un aspect, vous voyez. Regardez tous les cheveux que je perds en ce moment, j'ai l'impression, mais c'est normal en fait de perdre tous ces cheveux, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai deux appareils pour ma skincare que je voulais tester depuis longtemps aussi, ça. En fait, c'est pas vraiment une brosse. J'allais dire une brosse, mais c'est pas vraiment une brosse. C'est un appareil pour nettoyer le visage. Ah, mais c'est trop mignon en plus, j'adore, c'est trop chou. J'adore le design, ça a l'air trop doux. Alors vous le savez, ou peut-être pas, mais en fait moi j'adore tout ce qui est skincare, produits soins pour le visage, surtout coréen. Alors, ça fait depuis des années que je m'intéresse à la skincare coréenne, aux produits coréens et tout ça. Donc pour ma peau, je suis très produit asiatique. À un moment donné, j'adorais utiliser une brosse rotative en fait pour nettoyer mon visage. Mais j'ai vite arrêté parce que j'ai la peau sensible et j'ai remarqué que ça abîmait, enfin je sais pas si ça l'abîmait, mais en tout cas j'avais l'impression que c'était plus irritant pour ma peau qu'autre chose. Du coup, quand j'ai vu cette brosse, je me suis dit mais c'est parfait, parce qu'en fait ça va nettoyer grâce aux vibrations, et c'est des petits picots en fait sur le dessus, mais super doux. Je connaissais pas du tout la brosse jusqu'à il y a récemment, là j'ai découvert en surfant sur AliExpress, c'est genre en surfant quoi, l'expression des années 90. J'ai l'impression que mes lèvres c'est pas possible. Mais alors ça nettoie pas seulement, ça fait autre chose aussi. Alors chaque couleur a une spécificité. Le jaune c'est pour illuminer la peau, rétrécir les pores. Infrarouge c'est pour les peaux délicates. Rouge c'est pour calmer la peau. Et donc vous avez aussi une fonction température, alors c'est ici. Ah c'est drôle. Ah ça fait des chatouilles. Alors en ce moment j'utilise le nettoyant de la marque Purito. C'est bizarre dit comme ça, Purito. Ceux-là justement, ils viennent de chez AliExpress d'ailleurs. Vous voyez, ça fait un effet un peu touffu et j'adore ça parce que ça fait naturel. Et voilà, je suis sans fossiles. C'est trop agréable. C'est important de masser ici le visage en remontant comme ça. Ça permet à ce qu'il soit beaucoup moins bouffi et ça permet d'affiner aussi le menton. On peut faire ça avec les pierres, là, vous savez. Point positif, vous pouvez le rincer sous l'eau entièrement. Là, je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc. J'adore ce truc. Alors, quel est cet appareil? Est-ce que c'est un appareil de torture? Non, pas du tout. Enfin, je ne pense pas, j'espère pas. Ça, c'est un des produits dans la catégorie beauté sur AliExpress le plus populaire. Parce que ça fait un petit moment que je le vois. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Mais tout d'abord, moment satisfaction. Oui. Ah, il y en a un autre. Comme l'autre, en fait, chaque lumière a une spécificité. J'ai mis un petit peu de temps pour comprendre. Pour changer de mode, du coup, ça va être ici. Vous avez le mode Deep Clean. Donc ça, c'est, je crois que c'est avec le coton ou la lingette. Ça, c'est avec la lumière rouge, du coup, Essence In.
pas besoin d'utiliser avec un coton. Donc c'est avec vibration et ion négatif. C'est à utiliser avec un hydratant ou un sérum. Vous pouvez l'utiliser avec un masque. Et vous avez le mode aussi pour les yeux. Et donc ici, vous avez plusieurs intensités. Ah, et ça commence à vibrer une fois sur la peau, d'accord. Alors moi j'ai la peau sensible et il est recommandé de l'utiliser une à deux fois par semaine du coup. Donc c'est bon à savoir. Moi je vais rajeunir. Je pense que ça peut être mieux de l'utiliser avec ce soin là. C'est une essence à base de bave d'escargot. C'est une texture en fait qui glisse grave. Ça c'est un de mes produits préférés coréens. Je pense que du coup les produits seront beaucoup plus efficaces normalement. Et ça permet à réduire les rides et à raffermir, un effet anti-âge apparemment. On va voir. Et voilà! Il est l'heure de se rehausser les cils. J'ai un peu peur. J'espère que je vais réussir. Je vais tout vous montrer et on va voir ensemble si c'est facile et puis si ça marche surtout. J'ai regardé les avis et franchement, ça m'a convaincue parce que la plupart des gens, déjà, ça marche. Il y a quand même 7290 commandes. Parce que c'est vrai que je me suis dit, est-ce que... on a des réactions allergiques avec ou pas. Mais ce qui m'a convaincue, c'est quand même les avis. La fille là, elle a les cils un peu comme moi, genre tombants. On les voit pas beaucoup. La photo après, elle est ouf. On a l'impression qu'elle a mis du mascara. Je n'ai pas fait de réaction allergique. Donc déjà, c'est bien. L'étape de la colle est un peu laborieuse, mais le reste est très simple. Je l'ai reçue en 3 jours en France. Ok, donc ça se présente comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait? Bon, j'ai pris des cotons, j'ai pris des cotons-tiges, j'ai même pris le film. Il faut nettoyer. Donc, on utilise le cleanser. J'en ai un petit peu trop versé. Je m'attendais pas à ce que ça... Bon, moi, j'ai décidé d'appliquer une petite protection, là, pour protéger mon dessous de l'œil. Il faut prendre les petits trucs comme ça. Ça va être technique, je sens. Protect your skin from the lotion. Put glue on the iPad. Then... Ah, d'accord, ça sert à ça, la colle à fossiles sur l'iPad. Putain, j'arrive pas. Ça suit pas ma paupière. Ça m'embête plus qu'autre chose, finalement. Je vais pas le mettre. Paupière, ça s'adapte pas à ma paupière. Je crois que c'est ça. Hein. On dirait que j'ai une déformation de la paupière. Donc à ce que j'ai compris, il faut utiliser la colle sur les cils pour bien ce que les cils, en fait, ils se collent à la protection. D'accord. Donc maintenant, il faut mettre ça pendant 10 minutes, à 10 à 12 minutes, sous un film plastique. Parce qu'il faut bien mettre un film plastique. Donc là, c'est la permanente. Comment je mets ça? Donc voilà. Ah ouais! Ça c'est du sapin. Hein. Apparemment il y a Chanel, ils ont fait un calendrier de l'Avent. 800 euros le truc. Hein. 800 boules. Et apparemment à l'intérieur il y avait autocollants. Genre des autocollants quoi. Ah je crois que c'est bon, j'ai compris. Enfin je pense que c'est ça. En fait après avoir attendu 10 minutes là, il faut enlever un petit peu l'excédent en faisant comme ça. Ok, maintenant, il faut mettre l'agent fixateur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce kit, il y en a au moins pour 20 utilisations, je crois. 15 à 20 utilisations. Trop peur. Merde, ça a complètement bougé les... Normalement, on a presque fini. Il faut juste nettoyer. J'ai mis 10 minutes au minuteur. Et je finis les 2 dernières minutes à faire ça, en fait. Je pousse vraiment les cils... sur le haut, on réutilise le petit cleanser. Attention, alors là, c'est le moment de vérité maintenant. Ouais, d'accord. C'est vrai que ça fait un petit effet rehaussé. On voit quand même la différence entre les deux. Après, c'était la première fois que je le faisais, j'étais pas très à l'aise. Et puis en plus, il fallait que je filme en même temps. Rien que ça, ça change tout. Je suis assez impressionnée. Ça fait pas non plus comme des extensions, mais c'est vrai que on le voit quand même. On a l'impression que j'ai mis un peu de mascara. Sauf que ça va rester comme ça. Alors, apparemment, ça tient longtemps en plus. Ah merde! Je viens de voir qu'en fait, il y a plusieurs tailles de ce petit truc-là. Ah, mais c'est peut-être pour ça que je galérais. Là, ça prend toute ma paupière déjà. Ouais, on va voir si ça change quelque chose.
Ah ouais, ah oui, 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 oui. Ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Ah mince. Ah oui, du coup, c'est, ça fait bizarre parce que c'est pas pareil. C'est canon. Ah, j'adore. Bon, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai appliqué une deuxième fois sur mon œil gauche. Mais au lieu de poser 10 minutes, j'ai posé 5 minutes. J'ai plus de voix. J'ai l'impression d'être un prépubère. Ça marche bien. Ah, j'adore. Je suis trop contente d'avoir essayé le kit enfin. Donc, si vous voulez tester aussi, je vous mets le lien en barre de description, évidemment. Ah, je suis trop contente. Du coup, voilà pour ma vidéo crash test. J'arrive pas à parler. J'ai le cancer des cordes vocales. N'hésitez pas à me faire des petites suggestions. Voilà, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, stay kawaii. Bye.